Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à la vidéo de Eden ou plus particulièrement le message qu'il a mis en fin de vidéo. Alors vous avez été nombreux à m'envoyer sur Instagram, sur Twitter, etc. Ce fameux message qu'il a mis en fin de vidéo. Je vais vous le montrer, c'est en fait il apparaît juste à la fin de la vidéo, donc à la fin de sa vidéo qui s'appelle La Belle Époque. Là c'est un message qui nous a beaucoup touché avec la salle, donc je vais répondre au nom de moi et au nom de la salle dans cette vidéo. Alors pour commencer, avant que la vidéo commence, je souhaiterais déjà te souhaiter toutes mes félicitations pour ton enfant, du coup qui s'appelle Eden. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, tu vois, c'est ton pseudo YouTube et du coup tu l'as donné à ton fils. Et c'est un peu bizarre aussi parce que t'es le plus jeune et c'est toi qui as le premier enfant. En tout cas, félicitations à toi. Sache un truc, c'est que la salle, il me parle souvent de toi comme un bosseur. T'étais un bosseur comme lui et tu sais très bien qu'il adorait ça. Il kiffe les bosseurs. Il sait que t'as voulu te défendre, c'est un comportement humain. Tout le monde aurait fait la même chose. En tout cas, sache qu'on t'en veut pas et encore moins aujourd'hui, après plusieurs années. N'importe qui aurait fait la même chose, n'importe quelle personne, c'est tout à fait humain et voilà. Ceux qui disent qu'ils n'auraient pas fait pareil, c'est vraiment des mythos, voilà, c'est des menteurs. Voilà, tout le monde aurait fait pareil, clairement. En vrai, on n'aurait même pas dû se mêler de cette histoire avec cette fille mineure, puisque en vrai, les parents, ils étaient au courant. On aurait dû tout simplement juste laisser les parents s'en charger, puisque eux, ils étaient au courant. Et on n'aurait même pas dû t'en parler, en fait, tout simplement. Alors, c'est vrai que c'est moi, voilà, qui ai ramené cette fille auprès de la salle. La salle n'était pas du tout au courant. Je l'ai ramenée à la salle et au manager, tout simplement pour qu'ils écoutent son histoire. Elle pleurait beaucoup en t'insultant, Eden, machin. Et c'est vrai qu'on a peut-être réagi un peu trop vite, un peu trop sur le coup, parce qu'elle nous faisait vraiment de la peine. Et du coup, c'est vrai qu'après, le manager nous a dit, écoutez, pendant une semaine, vous stoppez les vidéos avec Eden, le temps qu'il règle cette histoire avec cette mineure, tout simplement, et qu'on soit pas associé à cette histoire comme ça. On pense que le manager veut faire les choses bien, mais au final, non. Tu sais comment il est la salle. Tu sais très bien qu'il n'aime pas les histoires où il y a des enfants mêlés dedans. Mais encore une fois, sache que c'est tout à fait humain de vouloir se défendre. Ici, plus personne n'en veut plus à personne. C'est du passé, et aujourd'hui, en vrai, il reste que les bons souvenirs. Même quand la salle, il me parle de toi, sache qu'il ne parle même pas de cette histoire, en fait. Il me parle que des bons souvenirs, que les bons délires. Les bons délires en vidéo, toutes nos rigolades qu'on a pu avoir. Il me parle toujours de toi, mais en bien. Comme tu as dit dans ta vidéo, vous étiez des frères de cœur. Et c'est vrai que c'est un peu dommage que ses frères, aujourd'hui, ne se parlent plus. Donc que ce soit de mon côté aussi. Là maintenant, je vais m'adresser à vous, qui ont cliqué sur cette vidéo. Je pense qu'à chaque fois qu'ils entendent leur voix dans les mêmes vidéos, donc la salle est Eden, hein. Ils sont nostalgiques et ils aimeraient bien être réunis. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui n'étaient plus là du jour au lendemain, mais qui aujourd'hui reprennent contact avec la salle, parce que tu sais très bien que la salle, c'est un mec droit et honnête. La salle, il a toujours reparlé à tout le monde, il a toujours donné une seconde chance à tout le monde. C'est vrai que en vrai, c'est un peu trop facile de revenir vers lui, il pardonne assez facilement. Même si t'as voulu mettre un coup de couteau dans le dos, t'as voulu parler dans son dos, t'as voulu... Enfin, un peu lui faire la plus grosse crasse possible, il pardonne toujours. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, en vrai, qui pardonne souvent les gens qui lui ont fait du mal ou qui l'ont trahi. Eden, je m'adresse à toi. Sache que tu es la bienvenue si tu as envie de reparler avec nous. Sache que si tu as envie de tourner une vidéo avec nous, c'est pareil, tu es la bienvenue. Comme on bovit autant. Et c'est vrai que quand j'ai regardé ta vidéo, je vais pas te mentir que je me suis pas arrêté. C'était vraiment délirant. Et puis, nous voir rigoler, nous voir délirer, nous voir, en fait, tout simplement, tout ce délire, tous ces bons moments qu'on a pu partager aux gens, qu'on a pu partager au public pendant ces années, pendant ces mois. Toi et moi, on a fait pas mal de sorties ensemble. On a fait pas mal de conneries, tu le sais. Bon, c'était un peu des bonnes conneries en vrai, même si parfois on partais un petit peu en freestyle, parce que voilà, t'es un peu plus jeune que moi, et forcément, tu t'avais peut-être pas forcément vu, tout vu, j'ai envie de dire. On a fait des trucs de notre âge, quoi, à l'époque, quoi. Et vraiment, c'était magnifique. C'est vrai que nous deux, on était très proches, hein. Voilà, même mon frère me le dit, même la salle le dit lui-même, en fait. On était vraiment très très proches. On se disputait parfois pour des histoires de merde, pour des gamineries, mais au final, on se reparlait toujours. Il y a toujours quelqu'un qui revenait vers l'autre ou inversement. Enfin voilà, bon, après ça c'est normal, tu vois, c'est toujours des disputes entre potes. Je t'ai fait venir dans ma ville à Nancy, je t'ai fait découvrir Nancy, je t'ai fait découvrir mes potes, mes amis, ma famille, qui t'a toujours bien accueilli, mes potes t'ont toujours bien accueilli. Il n'y a jamais personne qui t'a fait du mal ici, t'as toujours été protégé. Enfin voilà, il s'est jamais rien passé quoi. Même toi, tu peux en témoigner aujourd'hui. En tout cas, sache que la salle, donc ça c'est les mots de la salle, il t'en veut plus du tout d'avoir menti sur lui. Il a compris que tout le monde aurait fait pareil. C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Il t'en veut plus et surtout, voilà, je te regarde dans les yeux, il te pardonne.
Je te pardonne également. Pour lui, tout ça, c'est l'histoire ancienne, hein. Ça fait des nombreuses années, tu vois. Il y a des gens encore qui m'en parlent un temps, mais je leur dis, mais les gars, ça, c'est l'histoire ancienne. Ne me parlez même pas de ça, en fait. Sache que la salle, il garde que des bons souvenirs de toi. À chaque fois qu'on parle de notre époque, on parle que des bons souvenirs. Vraiment. Pour ma part, à moi, c'est simple. Je regrette un truc. C'est vrai que je regrette aujourd'hui. Voilà, je te regarde sincèrement. Ça me fait un peu de la peine. Ça me fait un peu mal au cœur parce que ça vient vraiment du cœur. Je regrette d'avoir pas régler directement ça avec toi en fait. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la meuf venir pleurer, tout ça m'appeler, bah, ça m'a fait de la peine en fait. D'habitude, tu sais très bien que quand on a des petites histoires entre nous, on n'en parle même pas à la salle. La salle, il s'en mêle même pas. On règle toujours entre nous. Et d'ailleurs, il était même pas au courant du tout, hein. Tu sais très bien. La salle n'était jamais au courant de nos petites histoires et tout qu'on faisait. Voilà, encore une fois, j'aurais dû venir t'en parler et régler ça avec toi directement, en essayant tout simplement peut-être te conseiller, ou peut-être juste te donner mon avis par rapport à tout ça, par rapport à cette histoire, parce que c'est vrai que j'étais un peu plus grand que toi, et comme tu l'as dit dans ta vidéo, on était des frères. Et tu sais, il y a beaucoup de fois où on s'embrouillait, où tu pleurais devant moi, et je te réconfortais, et tu le sais, voilà, tu le sais très bien, Eden. Enfin bref, je vais pas parler de ça. Mais voilà, j'aurais peut-être dû faire ça en fait. Mais en vrai de vrai, quand je prends du recul, quand je fais cette vidéo, en vrai, cette histoire, c'est vraiment une histoire de merde, quoi. C'est une histoire pourrie en fait. C'est une histoire pourrie comme on en a eu plein. Sauf que là, la meuf, elle pleurait à mort. Et j'ai peut-être un peu été déstabilisé, j'avais pas trop quoi faire. Sache que ça me fait vraiment de la peine quand je croise des babouins dans la rue, comme on les appelle, et qui me parlent de cette belle époque, l'époque de nos vidéos, l'époque de nos délires, l'époque du trio, qui était incroyable. On a rigolé ensemble, on a fait rire les gens, on a fait sourire les gens alors qu'ils étaient mal ou qu'ils n'étaient peut-être pas bien dans leur peau. On leur a fait sourire pour leur faire oublier tout ça. On a bercé pas mal de monde, on a aussi fait grandir pas mal de monde. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec nos vidéos. Quand je crois des abonnés, il y en a beaucoup qui me le disent, hein, qui nous ont connus quand ils avaient 14-15 ans, qui aujourd'hui en ont 18 ou 19. Et ils me disaient, bah voilà, j'ai grandi avec tes vidéos, tout le lycée, début du collège, tout ça, j'ai grandi avec tes vidéos. Et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, bah, finalement, ils aient pas fini peut-être leur adolescence ou peut-être leur début de majorité avec nous. Et qu'on n'est plus que deux avec la salle maintenant. En tout cas, voilà, je vais pas m'attarder. Je pense que j'ai un peu tout dit. Si tu as envie de répondre à cette vidéo, ou si tu as tout simplement envie de nous contacter, sache que nos DM sont ouverts. Tu sais où nous contacter, Instagram, Twitter, où tu veux. Je sais même pas si t'as encore mon numéro. Je me rappelle plus. Enfin, je sais pas si tu as changé de numéro entre-temps. En tout cas, là, on est là. Encore félicitations pour ton enfant Eden. J'espère qu'il se porte bien. C'est dommage que j'ai pas pu le voir. En vrai, ça se trouve qu'il n'y aurait pas toute cette histoire, bah, on l'aurait vu dès le début en fait, dès la naissance. En tout cas, voilà, félicitations. La salle te félicite aussi également. Pour conclure, la salle ne t'en veut plus du tout. Tout ça, c'est l'histoire passée. Je ne t'en veux plus du tout. Et voilà, bonne vidéo à tous. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, ciao, ciao.